Hey, salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Project Zomboïd et on a ramené plein de meubles d'Amned. Alors, t'es content de tes nouveaux meubles? Ben non, j'en ai pas. Pourtant, ils sont là, hein. Moi, je les vois. Je les vois. Ah bon? Attends, on a pris 2 heures entre deux épisodes pour aller chercher des Ah, meubles. attendez, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir. Oh, ben y a rien! Ils sont pas là, on les a mis dans le bâtiment en face. Ah, C'est tous des d'accord. zombies. Ils Ok, sont dans le moule. je te laisse aller les chercher. Ah, J'ai regarde, elle est pas en belle, menu, elle est j'ai pas de magnifique menuiserie cette moi pour caisse. l'instant. Franchement, elle est très belle Faut que cette caisse j'augmente l'esprit. pour ranger tes trucs, Damned. Moi, ce que je voudrais, c'est un pied de biche. Non. Est-ce qu'on a un pied de biche? Il me semble Faudrait que avoir j'aille vu voir. ça, ouais. Mais je sais plus si j'ai vu ça dans Project Zomboid ou dans un autre jeu. Pied de biche, oui, mais des meubles, j'en ai pas vu. Le zombie. Pardon, les outils, vous les avez mis où? Sûrement dans le petit débarras là-bas. Ouais. Ça, oui. Après, par contre, les meubles. Studio, Tu... niveau meuble, Là. compliqué quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais. Oh la vache, c'est long à gonfler un pneu. Hein. Cricker, C'est quoi ce bordel là? screwdriver. On va tout mélanger là. Quel Là, bordel. y a quoi? J'ai pas entendu un gros bruit bizarre. Je sais On va pas, dire que c'est normal, hein. je suis dehors et je tourne le dos à la rue, du coup, me fais pas flipper. Écoute. Mon Dieu, c'est affreux derrière toi! Non! Sûr, mon Dieu, Ah c'est non, c'est affreux. Slan. Un Slan, tout nu, en train de faire sécher ses vêtements. Tout rouge plutôt. On dirait un Il y a démon tellement il est rouge. le chalumeau et personne s'en sert. J'hésite à aller monter un peu tout ça, mais bon. Je vais faire la menuiserie d'abord. Allez, on est parti, on va manger, boire. Genre, On va il pleut démonter tes quoi. meubles. Soi-disant, il pleut. Il n'y a pas un endroit, il y a une future armoire. Hein. T'as rien trouvé? Non. Ah, ce que tu La peux prendre, c'est des tristesse. fours. C'est assez classe, c'est en métal et ça a une bonne contenance. Ouais, Je mais rentre pas bon, dedans c'est pas très adapté quoi. là. Quoi bouffer? Fromage fond. Non. Ah, vous avez mangé tous les gâteaux, ok. C'est dans les fours, C'est la dans le four bouffe? de Ok. droite. C'était frais. Muffin, tiens. C'est bon ça, les muffins? Les muffins c'est le Oui. dessert mais il sait pas, ils sont pas très très nourrissants, hein. Faut pas non plus. Ça va arrêter de me déprimer apparemment. Avoir faim Allez quoi. hop. Je vais en Bon, manger la 5. pompe, je vais la poser là, elle sera très bien. Toc. Bien visible. J'ai une poêle avec moi, tiens, ça va pas du tout ça. Alors soi-disant ça m'enlève la dépression, les muffins, tu parles? Non mais ça Je suis t'enlève un toujours petit aussi peu de déprimé après dépression. 5 muffins. Je vais aller T'as dire du bouffé Walter. tous les muffins quoi. Bah j'en suis à mon quatrième. Oh le mec. C'est On hyper m'a cher dit à faire toujours en plus, faim franchement. et je suis toujours aussi dépressif. Non mais franchement, je crois que c'est 7 de faim et 1 de dépression. C'est tout nul quoi. Et c'est hyper cher à faire. C'est Ah moins bah 12 de voilà, dépression le. au moins le sauté, il va mieux me nourrir. Voilà, le sauté c'est bien. Non, les muffins c'est. Tu bouffes ton sauté, puis après tu manges un muffin quoi. Sorte d'avoir un dessert quoi. Là, j'ai bouffé tout le sauté, les 5 muffins. C'est bon, j'ai plus faim. Va classer tes médocs, Damned, arrête de casser les précieuses. Ah bah j'ai mangé les muffins, mais ils sont toujours Enfin! sur moi. C'est pour ça. Si t'es Yes. ingrat comme ça, je le détruis. Si vous trouvez de la levure, ça me va. Hein. Allez, go, on repart au boulot. Et oh! Alors, faut que j'augmente ma menuiserie C'est pour pouvoir amener des parti. meubles un jour. Toc. Ton jerrycan, il est toujours au sol, hein, ton bidon d'essence vide. Bah oui, Et je sais, j'imagine parce que maintenant, que. t'en as plus vraiment besoin. Ouais, bah ça Eh ben, moi, servira. je suis fier de vous Mais. apprendre que j'ai acheté une nouvelle corde à mon personnage, il est devenu magicien. J'ai pris Magicien. deux Tu la finis serviettes, pas, ton ouais, j'ai. corps. Non, j'ai pris deux serviettes dans le sèche-linge et un torchon. J'ai le torchon, mais j'ai plus les serviettes, elles sont dans nulle part. Magie! Bah, ça, c'est la magie du sèche-linge. Je te mets des trucs dedans, tu retrouves plus une chaussette sur deux. C'est un peu ça. Tout le monde Voilà. connaît. Donc adieu Tout les le monde, serviettes, quoi. tant pis. Ouais. Pas mettre. Il m'avait semblé entendre parler de poivrons et tout. Ah, mais ils sont peut-être congelés. Bah non. Ajouter. Bah voilà, des petits oignons, parfait. La base. Et on est plein. Ok.
Voilà, un petit sauté de poulet aux oignons. C'est parti. Et hop, on y va. Et hop. Allez, je vais aller ranger Bacon mes médocs. Sérieux, je suis parti, je vais faire quelque chose. Alors, voyons voir les meubles. Ah, ça c'est pas mal déjà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Merci, Katox. La caisse ? C'est facile hein, quand on a 50 en menuiserie. Jaloux. Un petit peu de bacon. Je travaille lourdement sur l'électricité et je peux te dire que c'est chiant. Alors... J'étais un peu écœuré, je suis monté à 3 pour amener les fours industriels et tout, mais en fait faut 5. Ah, merde. Pourquoi j'ai... Dans tout mon matériel de soins, j'ai des boîtes de cierges magiques. Je le garderai quand vraiment il y aura plus rien à faire. Quand j'aurai tout essayé sur vous, si je sors ma boîte de cierges magiques, ça pue. Je préfère vous le dire. Je croyais que t'avais tout essayé, c'est quoi que t'essayes là? Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est pour mettre autour de ton cercueil pour faire joli. T'en fais pas, tout va bien. Non, non, reste enfermé sur cette pièce, on va mettre une chaîne autour de la porte, un cadenas, et on se pointe dans 48 heures, peut-être. Regarde le cierge magique se consumer. Ouais, quand c'est ça. Quand il a fini de se consumer, tu seras guéri. Exactement. Putain, la menuiserie, ça monte tout seul, c'est fou ça, par rapport à l'électricité, c'est un truc de malade. Ouais, c'est j'ai démonté un bureau, j'ai pris 400 points. Mmh. Ah ouais. Toi t'es en train de brûler, on te sort, on te remplace par l'autre, par le tournevis. Ok, alors c'est parti, là-dedans tu mets tout ça, ça, ça et ça. Boîte à médoc. Voilà. J'ai l'impression que mes vêtements sont quand même bien abîmés. Hein. ça l'ensanglanté, faudra un moment, faudra que... Bah, s'ils sont abîmés, je peux les recoudre, mais après, je te fais pas ta lessive non plus. Faudrait que tu fasses lessive en fait. On devrait avoir un panier avec une tenue propre dans lequel on mettrait notre tenue sale quand on arrive. On gagnerait du temps. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Mais... Tiens, bah, je vais aller moi aussi faire une petite lessive pour la première fois, je crois. On peut mettre les battes de baseball sales dans. Oui. Vas-y. On te ramènera une nouvelle machine. Ça marche ou pas? C'est pas un problème. Attends, zombie, tu frappes à la porte, pourquoi? Bon. D'ailleurs, depuis le temps qu'on te salit des assiettes, si t'as pas envie de t'emmerder, tu les mets avec dans la machine. Ça va bien se passer, je pense. Ouais, les fourchettes, les couteaux, tu mets tout. Hein. Ouais, exactement. À propre, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est marqué dessus, quoi. Machine à laver. Alors franchement, tu mets des trucs qui sont sales dedans et tu appuies. D'ailleurs, au lieu de te laver au lavabo, tu peux même te mettre à l'intérieur de la machine. On l'a fait 3 fois avec Dame Ned, hein, voyez ce que ça a donné. Je vais très bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis en pleine forme. Je vais super bien. Et ça lui a appris à lire. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Alors qu'avant, je savais pas. Il sait lire, mais seulement qu'une lettre. Ah ça. Bon bah y'a plein de quoi manger dans le four de nouveau si vous voulez. Oui voilà, tu m'énerves, là j'ai faim, donc voilà, tant pis, ça fera un épisode de 8 minutes. Il m'a donné faim là. Bah là si tu veux j'ai fait un petit sauté de bacon avec des œufs, un petit peu de sel, des petits oignons. Comment on va dit. Oh c'est pas possible. Je regarde autour de moi, il reste juste un vieux tronc de pomme. Et j'en ai fait un autre avec du poulet aussi, coupé en petites émincées, avec du miel. Je crois qu'il faut que je me nettoie moi aussi, hein. Je suis un petit peu infect. Où sont les toilettes? Super, t'as pas d'autre endroit pour te laver? Katax, tu veux pas monter avec ton chalumeau un peu ton truc et nous ramener une vraie salle de bain, une baignoire, une douche? En plus, c'est super long de se laver à la main. C'est vrai que c'est long. Hein. Remarque, là où je suis, il y a une salle de bain, je pourrais me laver. Et tu peux vraiment te laver dans la baignoire et tout? Bah, j'imagine que c'est plus rapide que.
Ah, ça se teste. Laver soi-même, on va voir. Pendant qu'on est, on va laver la batte de baseball. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Peut-être un peu plus rapide. Déjà, c'est pas mal parce que quand tu te laves et que t'as pas de vêtements, ça te... t'es séché direct, quoi. T'as pas besoin de te sécher. Mmh. Allez, on éteint tout ça. Toc. Non, tu te mets au sèche-linge, hein, comme disait Demned. Ouais, bah... Ça se tente, franchement je dis ça se tente. Toc, toc, moi, je suis toc, propre, mais vu la taille, vu mes vêtements. De toute façon, dans le... moi déjà j'ai foutu les bottes et tout dans le lave-linge, hein, et ça marche. Donc, Ouais, les bottes dans le lave-linge, ça marche très bien. Ouais. Ouais, je peux me sécher, mais je suis déjà sec donc. Ah, et ça le consomme le torchon quand tu, quand tu te sèches en fait. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bah alors c'est pour ça qu'elles ont disparu, moi. Bah je sais pas, je l'ai sorti du sèche-linge et je l'ai utilisé, il a disparu, donc je suppose. C'est particulier. Si t'arrives à en trouver une deuxième comme ça, Katox, je ne dis pas non. Est-ce que vous pensez que si je mets un plat dans le sèche-linge, il cuit? En fait, vous avez pas des trucs utiles à faire pour défendre la base? À un moment, entre l'autre qui fait sa muscu et l'autre qui se demande s'il peut faire la cuisson au sèche-linge, si vous vous ennuyez, faut le dire. Non, par contre, il y a une vraie question que je me pose, c'est est-ce que si je prépare des assiettes de bouffe, ça fait vraiment un avantage quelconque? Peut-être parce qu'on sera moins dépressif si on bouffait à table. Bah peut-être que, parce que en général la plupart des trucs, après je peux prendre une assiette et j'ai préparé une assiette de sauté ou préparé un bol de salade de fruits, des trucs du genre. Bah ouais, ce serait pas mal. Du coup peut-être que ça donne un peu plus de bonus de dépression. Ah, hein. T'as des assiettes ou pas? Parce que bouffer dans la poêle, c'est vrai que c'est chiant. Bah je crois qu'il y en a quelques-unes, ouais. Je vais regarder après. Là je fais sécher mes fringues. Ah, mais non, j'ai démonté mon sol! Il fait des trous dans sa pièce, quoi. Putain, mais quel con! Bravo. C'est où que je tombe pas dedans? Non, mais c'est pas un trou, mais c'est. Non, enlever la décoration au sol. Voilà, c'est ça. Je te ramène 3 carrelages en échiquier bleu. Oui? Ils sont très beaux. J'en ai cassé la moitié. Hop, prends un sac poubelle. Voilà. Moi, je suis trop chargé. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait, mon bonhomme? Il met tout par terre, ce con. Tant pis. Bah voilà, il a tout mis par terre. On va passer au niveau d'après en termes de bêtes de baseball, puisqu'il y a des gens qui nous font des sympathiques bêtes de baseball cloutées. Bon, moi, je prends la bête de baseball cloutée, je repose la bête de baseball sans les clous. C'est exactement pas ce que je fais, moi je suis quelqu'un de respectueux. Et donc tu fais quoi de tes vieilles bottes de baseball? Je les pose après avoir pris la batte à clous. Bon, alors en attendant trop d'avoir un deuxième meuble, comment je m'organise? Faut pas que je démonte ça. Alors voyons voir un petit peu le truc d'équipement de Damned. Ah ouais, elle est pas mal cette armoire, j'avoue. Ah, c'est pour ça que je dirais tellement pas non d'en avoir une autre. Bah, ouais, je vais venir voir à quoi elle ressemble, et comme j'ai monté un peu la menuiserie, je pourrais peut-être t'en ramener plus tard. C'est de la menuiserie pour démonter ça? Ça dépend, mais normalement, oui. Alors, on a dit... Oui, 4 sur 4, il faut. Ah bah, j'ai 4. Et bah voilà. Non. Oula, je me gourde de touche. Calme-toi, jeu, calme-toi. Allez. Par contre, l'électricité, c'est la cata à monter. Hein. Y a plus une télé aux environs, y a plus un ordi, y a plus une lampe, plus de radio. Ils ont même plus de montre, les zombies. Je les tue pour leur faucher leur montre.
Bon bah j'ai des tasses à thé, si vous voulez que je vous prépare de la bouffe, je suis pas convaincu. C'était quoi ce bruit? Oh, c'est une caisse qui a pas voulu se démonter. Ah putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un zombie qui avait pété un truc quoi. Petit rideau Bordeaux, pourquoi je me baladerais avec des petits... C'est un gros bruit quand même. Un grand miroir, ça c'est chouette un grand miroir. Non, c'est pas ça que je veux mettre là, c'est ça que je veux mettre là. Bon, elle doit être sèche mes fringues là. Il y a un escalier ici qui arrive en plein dessus normalement. Voilà. Bon. Faudra me faire le signe quand il y aura trop de. De collecteurs d'eau. On va peut-être jeter un œil. si t'arrives à plus de 200, ouais, je pense qu'il y en a trop. On en est pas loin. Alors, on met ça. Peut-être pas. On met le pantalon. N'exagère pas. Bah, va voir. J'ai vu un mec avec un drapeau américain dans sa chambre, pas mis dans le bon sens, et un lit d'hôpital en guise de lit. Mmh. Bravo. Aïe, mon tablier blanc est de nouveau blanc, je vais pouvoir cuisiner. Je vais pouvoir parfaire. Tiens, j'ai pas été voir en haut du coup. L'escalier, il est là. Alors, t'as dit qu'il fallait pas tomber. Ah oui, effectivement. Tombez pas. Je pense que tu peux en mettre quelques autres. Hein. Ouais. Hein. Au moins, j'ai fait une barrière, tu vois. Sur deux tâtons. Ouais, bah c'est vrai que mine de rien, quand tu montes l'escalier en courant. C'est pour ça que j'ai mis la petite, les deux petites barrières. Je ramène de quoi là en fait? Encore de la bouffe, des pistolets. Des ampoules. Et du coup, tu peux pas tomber parce qu'il y a les tonneaux qui te bloquent. Ah, c'est ça. Habile. Habile. Je me demande si je me suis pas perdu. Habile. Je me suis perdu. J'avoue, c'est habile. Bon, je vais chercher une deuxième armoire, mais je la trouve. Moi, je vais venir voir à quoi ressemble ton armoire. Mais faites donc, je vous en prie. Ah, mais putain, mais elle est déjà vide cette poêle. Les gens qui me bouffent ma bouffe. Voilà, t'as un bidon d'essence plein? Normalement, il doit y en avoir un qui est relativement plein, ouais. Dans le meuble, dans le bar, enfin le petit meuble, le bar de l'entrée, là où il y a un bonsaï dessus. Ouais, celui qui est isolé. Ah, c'est là. Ça a toujours été là. Ah bah c'est le seul que j'ai jamais regardé. Bah j'en doute pas. Ça explique beaucoup de choses. Zut, attends, j'ai récupéré la poêle vide ou pas? Oui, je vais la ranger. Tac. T'es revenu d'Aslan? Ouais, je suis en train de ranger du carrelage dans un coffre. Du coup, tu vas avoir faim. Ouais, un peu. Ah, il a toujours faim, Aslan, non? Ouais, okay, je bouffe beaucoup de chips quand je m'en vais. En fait, même si vous en trouvez d'autres des meubles, ce sera pas en trop parce qu'effectivement, le stockage des autres trucs, c'est vraiment la merde. Hein. Donc faudra pas hésiter, vous en trouvez, vous prenez, vous vous posez pas de questions. Dites-vous que ce sera toujours utile pour quelqu'un. Alors, on veut mettre du poivre. Voilà, un petit peu de poivre. Tac. Alors ça, on va ranger ici. On veut mettre... Du jalapeno. Qu'est-ce que du jalapeno? Des petits piments. On appelle du jalapeno. Ah, mais c'est du piment. Du piment doux, normalement. Enfin, même. On en a un petit peu, je vais. Plus un goût de poivron. Enfin, c'est le genre de poivron mexicain, si je dis pas de bêtises. Je vais en mettre dans mon sauté pour la peine. Voilà. Ça devrait pas être trop fort, normalement. La Chobiti qui veut des noix de cajou au wasabi. Ah! Bah, je peux lui en donner quelques-unes si elle veut. Il dit qu'il est en train d'en manger plein. Elle fait la tronche du coup. Ah, bah, c'est une armoire comme ça que tu veux? Ouais, celle-là, ouais. Ah, ouais, c'est en a. Non, il a dit qu'il pouvait t'en donner un peu. Je sais où il y en a plein, ouais.
une ou deux hein, même. Hein. Franchement, ce sera pas en trop vu le stockage de merde des autres trucs là. J'y vais prendre l'ambulance et je vais aller te les chercher. Ah, que tu es gentil quand tu veux. Bah oui, mais après, il y aura peut-être un risque de casse, je sais pas, on verra. oui, ça, c'est possible. Faut que je lise. L'ambulance, elle est en pleine forme, hein, j'ai vérifié. Ah oui, non, bah, tu peux prendre l'autre camion que j'ai ramené aussi, qui est bien aussi. Bah, tu veux venir avec moi, comme ça, s'il y a des trucs qui me plaisent, tu me dis je le veux. Bah, si tu veux, oui, je peux faire ça. Je finirai de ranger en rentrant. De toute façon, j'ai quasiment tout rangé. Alors, par contre, ouais, attends, mon personnage, j'avais oublié de regarder à droite. Mon personnage est un peu en PLS. Enfin, ça va, hein. Juste, il a très très soif, très très faim et il s'ennuie très beaucoup. Bah, écoute, il va sortir, ça va lui faire un petit peu une occupation. Ouais, c'est ça. Ah, y'a rien dans le micro. Ah, non, c'est dans le four, mais dans le micro. Dans le four de droite, dans le four de droite. Bah, de droite. Oui. Ah, celui de droite, celui de... Le grand c'est là où je cuis et celui de droite c'est là où je pose les trucs au chaud. On me laisse tomber, on trouvera des chips en chemin. Ouais mais c'est bon regarde, je suis en train de bouffer un peu ça. Je crois que la réserve de bouffe est pas mal mais par contre le jour où il n'y a plus d'électricité on est dans la merde. Je crois ouais. Pourquoi on serait dans la merde? On a plein d'essence dans les voitures et on n'a pas un générateur déjà? Non. J'ai tout bouffé le signe. Ah ouais, bah j'en repose une. Non, on a pas trouvé. Non, mais je te le dis, c'est pas grave. Mais... Faudrait peut-être qu'on aille dans les quartiers résidentiels un peu plus au sud, c'est assez loin. On fera ça à la prochaine session. Toc, voilà. Y'a de quoi bouffer, Slan, si tu veux, derrière toi. Je suis en train de... Derrière moi? Là, dans le four, quoi. Ah bah, j'étais devant moi, j'étais en train de le manger. Ah bah non, chez moi, t'étais dos au four, chez moi, pardon. Ouais, bon, non, du coup, bah, il faut que je reprépare de la bouffe, quoi. J'ai mangé que la moitié. Je suis prêt, on y va, Dame Ned. On y va? Allez, let's go. On va commencer à préparer un rôti, mais... T'es sûr? Oui, je suis sûr, je sais où c'est. Voilà, parfait. Non, mais tu sais conduire? Oui, je sais conduire. Bah, attends, ouais. Un peu d'huile. Ah, pardon, je suis passé par là. Moi. Je fais une vingtaine de récolteurs d'eau, ça devrait faire le taf. Et on va aller en face des trucs, rajouter quelque chose. Je t'attends dans l'ambulance ou le Nox? Un peu de poulet, ouais. Bah, le Nox, il m'a dit qu'il avait un grand four. Un grand. Oui, il a un grand four à l'arrière. À 130 et quelques, ouais. Des tomates, tiens. Je crois que c'est la toute première fois de ma vie que je monte tout seul avec Slan dans un véhicule. C'est lui qui conduit? Oui. Ah, du coup. Ah, ouais. C'est. Ah, ouais! Intéressant! Non, mais c'est bien, il faut savoir faire des expériences hein, dans la vie. Hein. Je croyais qu'il fallait pas écraser les cadavres, Slan. Je roule pas sur des cadavres, là. Ah bon, d'accord. Ça, c'est cuit, ça. Toc. Oula, petit pas lag. Si, c'est là. Hop là, ça va là, plutôt. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. On va boire un coup. Dis pas ça. Non, mais faut pas dire ce genre de choses. Ouais. T'as rien appris? Ah. En plus, il est 1h du matin, vous êtes bien là? Ah ouais. Un petit rôti de poulet à la tomate au chou et aux carottes. Non, bon, maintenant le véhicule sur le capot il a une moustache rouge. Il essaie de concurrencer le nombre de kills de Katox. Ça doit être ça. C'est hyper flippant hein, quand t'as des arrêts sur image du jeu et que tu te re-téléportes d'un coup 3 rues plus loin. Ah, je t'ai dit, hein, c'est des fois ça lag à mort. Hein, Ah, c'est. Oui, je confirme, oui. Oh putain! Hop! Pétard. Il y a une remorque là, vachement utile. Deux remorques. Regarde. Ouais, j'ai vu. Tu peux accrocher des remorques sur une ambulance? Il y en a surtout une qui est très, 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 très tentante. Ouais. Mais bon, il y a du monde aussi, hein. Et moi, je suis pas forcément le plus équipé pour me battre. Hein. Bah vous avez une ambulance non? Non on a un Nox distillerie. Ah bah c'est pareil. Bah Katox il a pas encore fait de pare-buffle. Non. C'est pas là où j'avais trouvé les trucs mais par contre c'est quoi ça? Ça a l'air intéressant quand même. Pas encore trouvé assez de tuyaux. On peut aller jeter un oeil si tu veux mais... Non. Bah on devait pas retrouver d'abord le truc... Si on... Si, on devait trouver un meuble. Après, mais... je sais ne pas vous trop. Hein. Ne vous distrayez pas trop. Ne vous laissez voilà, pas distraire. Bon, normalement. Bah, moi non plus, t'as dit que tu savais où c'était donc. C'est là.
Bah voilà. Oh oui, Family Dentistry. Tu me confies que le véhicule est arrêté et que je peux sortir, hein. Oui. On va aller regarder un petit peu si tu on peux aller éteindre des phares, sinon on va avoir un problème quand on va repartir. Il fait nuit, hein. Je peux faire ça. Ah. Dans ce temps-là, je vais finir de céfer la zone. Mm-hmm, des loups. Il y a des loups-garous dans ce jeu. Ah, c'est verrouillé, d'accord. T'as un truc pour voir les radios si t'as besoin. Bah, comme par hasard, je n'ai pas mon tournevis. Mais j'ai tout ce qu'il faut là. Dis-moi ce qu'il te faut. Bah, tournevis. Mais non, dis-moi ce qu'il te faut comme matos. Jette un coup d'œil. Tu me parlais de démonter des trucs, je te disais bah. Non, on veut pas démonter, on veut ramener des meubles. Alors, ça, c'est un bureau, tu t'en fous. Bah, foi, ces grands trucs là, c'est. Oh, viens voir là, non, viens voir là, viens voir par là plutôt. Attends, j'arrive. Quand j'arrêterai de me prendre le mur. Là, ici. Regarde. Ah bah ça là, les grandes armoires, la 65, oh là là, le kiff. Il fait un peu noir là, non? Risque de casse 45, hein. Ouais, bah écoute, hein, qui n'essaye pas, enfin, qui fait rien. Bah, y'en a deux, hein, donc t'as une bonne chance d'en avoir une. On verra le bruit que ça fait. Ouais, t'es mort. Je suis surchargé, donc j'imagine que celle-là c'est bon. Celle-là a l'air bonne. Je te la mets dans le truc. Ça s'appelle casier en métal. Je te l'ai rangé à côté, tu peux l'amener dans le coffre. Les torchons, vu que c'est du consommable, on va les prendre aussi. Ouais, tout à fait, on peut faire ça. Bah, avant. Ouais, bah, de toute façon, tu pourras en prendre qu'un. Ouais. Ça a l'air de peser sa mère, ouais. Ouais, bah, le deuxième aussi, je l'ai. Il pèse combien? 25, donc je peux même pas le mettre dans mon sac à dos. Ah putain, il y a un zombie à l'entrée. Recule, je m'en occupe. Bah, en soi, je pourrais, mais je sais pas, avec le poids, c'est peut-être pas terrible. T'inquiète, hein. Ok. T'avances pas, t'avances pas. Oh putain. J'ai entendu crack. C'est lui, c'est pas moi. Ah bon. Non, t'as cassé la vitre. Ouais, c'est pas grave, si. Bah si, c'est grave, ça fait une entrée de plus. Jusque là, on pouvait fermer la truc et être assez safe. Bah il la casse en un coup, non? C'est toi qui l'a cassé. Oui, mais eux. Non, il la casse pas du tout en un coup. Tu vas te faire attaquer par derrière. C'est bon. J'avais vu, mais ça y est. Parfait, de la viande congelée et tout. Nickel. C'est bon. Alors, est-ce qu'on a... Je te couvre si tu veux mettre ça dans le coffre. Mais ça y est, moi j'ai tout rangé dans le coffre. C'est toi qui as pas rangé dans le coffre. Si, ça y est, c'est fait. Non, t'as mis ça... T'es plein de zombies, là. Merde, bah, je l'ai mis où, alors? Tu rigoles, je l'ai mis dans le coffre, quand même, rassure-moi. Casier métal 2. Ah bah oui, si, voilà. L'a mis sur... Ah oui, c'est bon. Je croyais que tu l'avais mis sur le... Des assiettes. Ouais, après un... Ouais, vraiment, le fauteuil, ça sert à rien, en vrai. C'est de la déco. Bon, comment ça cabine grise. Ah, puis faut chalumeau, masque de soudure et tout. Laisse tomber. Un évier, ça aurait été bien, mais j'imagine qu'on peut pas installer des éviers comme on veut. Ah mmh. Ah bon. Pute. Ouais. Ah. Je me suis fait surprendre. Non mais j'ai ouvert une porte, il n'y avait pas de zombie derrière, j'ai fait un pas dans la pièce, il était caché derrière la porte. Alors Damned, y'a d'autres trucs qu'il te faut là-dedans? Non, le fauteuil ça va prendre trop de place. Y'a à nouveau plein de trucs médicaux ici là. À prendre. Et il y a deux casiers supplémentaires comme tu aimes. Eh ben, j'arrive. On les prend? Ouais, tu carrément. Ça va nous servir, de toute façon. T'as des sacs ou pas? J'ai un sac marin. D'accord. Bah, tu peux vraiment utiliser un parapluie pour se protéger de la pluie. Ça pèse pas lourd, les trucs, là. À 3, 1,9. T'es où? Attends, je te cherche. Fais du fond, à gauche. C'est ici. Ok. Putain, je suis tombé sur une baraque là en face de chez nous. Bah ouais, le mec dans sa penderie il a un fusil à pompe et dans sa commode il a un 32 mm quoi. Je ramène de temps en temps des flingues et des. Un américain. C'est ouais, ça. Je suis un peu chargé mais. Ah ouais, mais il y a plein de trucs ici. Putain, un mec qui veut aux États-Unis quoi. Tu sais, c'est pas... Ça c'est que un quart de ce que je t'ai ramené. Hein. Je t'en ai ramené plein des trucs comme ouais, ça. Ouais, mais j'ai vu, j'en ai rangé des tonnes. Hein. Mais bon, je récupère. Hein. Bon, écoute, y a pas de. Bah au moins tu diras pas, ah, j'ai plus de lingettes. Ah bah là c'est clair. Celle-là je crois que je l'ai pas eu.
Bah, au vu le bruit. Au bruit, je dirais que je l'ai pas eu celle-là. Ah, je crois que. Je crois que j'ai foiré. J'ai démonté une vis un peu mal. On peut prendre des lunchbox. Il y a des lunchbox pour transporter la bouffe, ok. Ça, là, franchement, c'est classe le sol chez toi, Damned. Bah ouais. Oh, je la repeigne la pièce. Tu la plates d'abord. Mortadelle. On a trouvé de la mortadelle. Non, je crois qu'on peut directement les peindre les murs qu'on a. Ça, bah écoute, ça me paraît pas mal. Il y a encore plein de trucs dedans, mais au pire, on reviendra. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir le coffre. Hein. Ah bon? Non. Pourquoi je vois pas le coffre du Nox? Si, là je le vois. Enfin, moi j'appuie sur E et je le vois. Par contre, je viens de te voir téléporter, donc je sais pas si c'est normal. Ok, là tu le vois. Ok, alors que t'es 3 places plus loin. Je mets un 3ème casier. Mm-hmm. Pour moi, t'es sur le trottoir, mais bon, on va dire que tu arrives à le mettre de là. Derrière le truc. Et oui, toi, t'es à côté de la porte d'entrée. Est-ce que on va. Et quelle heure il est? Il est 4h30, donc on est safe. On va aller voir les bâtiments en face. Il est 4h30 du matin, non? Alors. Ouais, ouais. Je veux bien, mais attends, je vais déposer mon sac dans le coffre marin parce qu'il est plein. Alors non, ça c'est par terre, José. Alors ça, par contre, ici, non. C'était où que j'avais vu des espèces de hangars Voilà, ça c'est dans le coffre. T'es parti où? Ok, je suis le zombie qui te suit, je suppose. Ouais, voilà, ouais. Ouais, mais attends, parce que toi, tu les aggro beaucoup plus. Ah, ça c'est possible. Après, s'il y en a deux, hein, on va s'en sortir. Mais... Voilà. Pourquoi il va pas me la mettre? Oh! Il y en a deux qui arrivent par là aussi. Voilà. Bon. Ah, tu les attires de tellement loin, toi. Faut qu'on mais oh, je suis pas fait pour ça, moi, je suis médecin. Hein. Bah, je vais te ramener à la maison, laisse tomber, viens. Ouais, c'est non, pas non, grave, mais... tu peux tuer deux zombies quand même. Oui, mais ce sera deux là, plus quatre là, plus partout. Moi, je combats pas les zombies d'habitude. Oui, bah toi, bah, pour une fois, ça te fera monter ta force. Voilà, regarde, on est fort. Ma force, elle est à 10. Oh, une montre digitale. Voilà, c'est ici. Là où t'as démonté la porte? Là, ici. La grille. Ah oui. Putain, et le truc d'en face, c'est un truc de meuble. C'est rempli de meubles dedans. Mettre. Bah oui, je viens là. Le prendre. Bon, du coup, on va juste prendre ça. C'est pour ça qu'on va se mettre là. Allez, on va les mettre ça dans les trucs. Les garde-meubles. Bah, on va trouver un générateur électrique. Ah, mais tu fais quoi? Tu pètes le. Je crois que c'était dans le. Tu pètes le cadenas? Ah, d'accord. Ouais, normal. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. What? Hop là. Ouais, d'accord. Le mec, il a ça pour ça, quoi. Le mec. C'est lui, on l'a trouvé, le mec qui fauche les tables à pique-nique dans les forêts. Quoi? Il a un garde-meuble pour les garder. Pour tout coup. C'est vrai en plus. Elles sont où les armes à feu style... Il a un truc style quasi. Oh putain, trop bon celui-là. Ah ouais, c'est vide. Bah, il y a plus grand chose en armes à feu, c'est dans le comptoir en bas. Mais il y a rien, il y a un flingue, je crois, c'est tout. Hein. Générateur électrique. On a que ça comme arme à feu. Je suis déçu. Oh, grand sac de randonnée! Yes! Chercher des. Imperméables! Oh, c'est trop. Des munitions de 44 et on a même pas des munitions de 44 quoi. De la pâtée pour chien aussi. Des piquets de tente. Une bâche. Et plein de draps. Une agrafeuse. On peut te battre avec une agrafeuse en vrai. Y'a 4 plaques en métal là-dedans. Ouais, tu peux les prendre. Tu sais ce que tu vas faire, Damned? Ramasser le groupe électrogène? Non, parce que tu vas te casser les culs si tu fais ça. Tu vas aller chercher le camion, tu vas nous le ramener pas trop loin. Et t'as pas montré de démonter un petit porte de grillage pour que je fasse une petite marche arrière dedans, non? Non, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas la masse et j'ai pas le chalumeau. Ok, bon. Toc. Allez, je pose les fournitures médicales que j'ai trouvées par terre. Regarde, des tonneaux de bière. Des tonneaux de bière. C'est vrai, il dit vrai, en plus c'est vrai, c'est des, on dirait des tonneaux de bière qui sont stockés quoi, dans les étagères. Et moi comme tu les aimes. Parfait. Bon, faudra que je mange par contre moi parce que je vais mourir sinon. Ah, y'a des zombies, j'imagine que c'est normal. C'est où déjà, Katox, que je te les mets les sacs poubelles? Ce que je te propose, l'étage. C'est qu'on prend le groupe électrogène et puis qu'on rentre. Quand tu montes près de. Ouais, puis on vient. Tu reviendras.
Ouais, je reviendrai. Ouais, du côté des. Du côté des trucs à eau, ouais. Ouais. Y'a une caisse. Je vais chercher ça si je le retrouve. C'est pas la teuf, mais. Ok, ça commence à se vider un peu. Bon, donc je vais sauter avec le. Non, je peux pas sauter avec le groupe Patreon. Ça, c'est en bas. Ah, du coup, faut que je trouve une sortie pour te l'amener. Bah oui, c'est ça, tu peux pas sauter avec. L'entrée, elle est là, l'entrée. Bah là, ça veut tout dire. Ouais, mais y a pas d'entrée. Si, là, au sud. Ok, j'arrive. Putain, vous m'avez envoyé du rêve, frère, qu'on avait des armes à feu et tout, mais on a rien, quoi. Ça se fait qu'on a... qu'on a pas d'armes à feu. Attends, je cherche parce que là je suis en train de. Ah bah voilà, c'est bon, t'y es. Top, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut là? Bah j'ai le générateur électrique dans les mains. Vas-y, je passe sur l'autre siège. Je peux pas le mettre. D'accord, je peux pas le poser. Bon, tu conduis avec, tu le laisses sur tes jambes, c'est pas très gênant pour conduire. Hein. Non, je vais te laisser. Conduire. Quelqu'un déjà assis ici. Ah, tu passes sur le siège. Attends, vas-y. Bah, tu veux tester, attends. Mais il est partout. Je m'étale. Mais il est partout. Tu vois, ça te gêne pas pour tes jambes. C'est que dalle ça, tu mets ça sur tes genoux, c'est pas gênant. Un petit générateur sur les genoux pendant que tu conduis. Bah, franchement, c'est tout petit, c'est léger. Pratique. Ça fonctionne à pile, non? Allez, je crois qu'il va être temps d'arrêter l'épisode, Slan, si tu veux faire l'outro. D'abord, on rentre. Oh, camion citerne! Ça pourrait t'intéresser, ça. On fait le retour, hein. Du coup, je peux prendre des assiettes et servir dans des assiettes. Est-ce que j'ai la recette? J'ai pas l'impression. Ah, c'est donc ça le fameux bug où tu vois pas que ça charge et il y a des plots partout? Ah, t'as vu, c'est beau, hein. Et après l'écran noir où il n'y a plus aucun bruit, c'est normal aussi? Ouais, bah toi, tu vas voir si tu essaies d'avancer, ça. Si tu essaies d'avancer, ça va s'arrêter. D'accord, bah là, il y a Damnet qui est apparu. Oh la vache, qu'est-ce que ça aime pas charger? Ah, je t'avais dit, hein. Bon, bah on peut pas servir dans des assiettes, visiblement. Ou alors j'ai pas la recette. Fibre ou pas fibre? Je suis trop con pour servir à bouffer dans des assiettes. Allez, on est arrivé. On va pouvoir s'arrêter là. Eh bah parfait, je te laisse faire l'outro. Bah moi je suis arrivé, Damnet par contre je le vois plus. Je le vois plus. Ouais, moi je me vois plus trop non plus, non. Je crois que t'es perdu en route. Oups. Tu connais comme quoi, c'est pas la 4G. À plus tout le monde. Ciao ciao. Je rentre bien.